bouge pas, Jean-Paul. Maître des clés, pars prévenir l'ancien royaume. Prépare-toi. Cours. Délivrez-moi. Sinon, je vous tranche la tête. Sinon, je vous tranche la tête. Ok, bah, très bien. Il a repris son arme. Cours. Il va se faire buter. Putain, faudrait que j'en profite. Putain, mais... Ah, mais je suis à deux de vie, c'est pour ça que je peux plus courir. Faut que je mange un truc, je peux pas fuir, je suis blessé en fait, là. Toi, tu vas rester là. J'ai deux HP, je peux pas bouger. Y'a plus le temps qui m'a... Elle va me buter, ça me met un coup. Mais qu'est-ce que c'est à toi ? Voilà. Je perds mon sang, je suis blessé, je peux plus bouger. Je le ramène sur le château ou pas? Ah non, laissez-le là, je ne sais pas si les gars vont repousser l'attaque. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est un prêtre qui a voulu aller voir son... Après, on Dracula. Allez, ta gueule, la mioche. D'accord, je vois. Vous m'épargnez? Tiens, un dragon, tu peux le manger. Hein. Il m'aura pas, non, je fais trop vite. Il y a une autre idée, accrochez-le au dragon et le dragon vole. Non, le dragon vole. Accrochez-le au dragon comme ça le dragon vole et il se casse la gueule. Ah oui, c'est aussi une bonne idée. Ah, très bonne idée. Attends, très bonne idée. Si vous faites ça, je vais revenir. Bon voyage. Je vais me réincarner en démon. Je vais revenir. Putain. Comme une trimballe. Il va... Il n'aurait jamais dû faire ça. Salut, tu faisais quoi avant? Moi j'étais prêtre. Moi je protégeais un prêtre et je suis mort pour le sauver. Maître des clés, c'est toi? Tu as grandi? Ouais. Il y a un gobelin. Je me prends une armure, on va prendre chacun une armure. Je crois que j'en ai une dans ma sous-armure. Ah ouais, l'armée des morts. La faucheuse. J'en ai la pris une. Merci. Ah, attendez, il y a une araignée. Vite, fuyez. Attention. Fuyez. C'est quoi le cri de guerre de... C'est quoi le cri de guerre de la compagnie des morts? Agru. Le cri de guerre, c'est Agru. Agru-gru. Ok, c'est parfait. Vous êtes prêt pour aller à Bran? Toujours prêt. Agru-gru. Agru-gru. Laisse-le, je le connais. C'est Serge. Pas, il ne faut pas perdre du sang. Depuis qu'il a perdu sa femme, il a perdu la tête. Ah. Vous avez un plan pour l'attaque? Vous n'avez pas une corde. Vous n'avez pas une corde, Pierre. On arrive par surprise. Venez, on fait la courte échelle. On se met à la porte. Je fais ça et vous montez sur ma tête. Ouais, voilà, bonne idée. Trop petit. La meilleure idée. On va pas te voir venir. Est-ce que t'es assez fort pour nous porter déjà? Ma force. Là, il y a un être démoniaque juste devant. Je l'ai attends, vu. Attends, Agru-gru. Dans votre conquête de Bran. Je veux vous aider. Oh, il y a un cheval. Bon bah comme ça c'est réglé. Ah bah non. Oh, mon repas. J'avais faim. Vous êtes prêts, on attaque Bran, go. Attends. On attaque. Agru-gru. Tiens. Attendez, il fait un peu quoi? Faut le buter. Oh ça. Oh putain. Ah, ils nous ont revus. Même diversion, je rentre. Oh, j'en ai buté un. Oh putain. Vous ne pouvez rien faire contre la mort. Par le pouvoir de Jean-Papal, je m'envole. Oh mon dieu. Oh. Ameno. Agru-gru, Agru-gru. Jean-Poupol. Battez-vous, soldats des morts. Le gamin, je veux tuer Jean-Poupol. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Poupol.
tu peux t'arrêter maintenant. On va tous l'examen. Jean Poponnet. Il a quoi comme body group? Bru. Agru. Cette fois, je me suis réincarné en poney. Non, pas de chance sur la réincarnation. Hein. Je pense que les gens sont aptes à comprendre qu'on est des anciens soldats réincarnés. On va aller leur demander à Bran, c'est une bonne idée. Je sais pas. Non, déjà, je vais Attends, faut un peu être beau pour se présenter quand même. Attends, je vais soigner mon pelage. Très beau pelage au passant. Hein, ah, copain poney. Parfait. Attends, on va demander à cette gueule si elle nous comprend. Comprenez-vous notre langage? Nous avons fait un rite. Vous nous comprenez? On a fait un rite de réincarnation. Comprendre notre langage. Je ne comprends pas, mais messieurs, ça ne sert à rien d'essayer de me parler. Hein. Elle ne comprend pas notre langage. Tu veux peut-être une pomme, c'est ça? Au pire, on peut pas être ensemble en poney avec un rite. Tu veux aller dormir, c'est ça, peut-être? On va aller voir à Bran, il y a peut-être quelqu'un qui nous comprend. On a une malédiction de réincarnation, faut qu'il nous soigne. Venez, on va chercher un gars qui peut nous aider. Laissez-moi parlementer, sinon ils vont pas comprendre ce qui se passe. Bonjour monsieur, excusez-moi. Voyez-vous, je suis l'ancien prêtre Jean Papol. Oui, en fait, on a bu de l'eau. L'obédinte, vous voyez, qui réincarne. J'ai été tué, je me suis réincarné en faucheuse. Et maintenant, je me suis réincarné en poney. Je recherche quelqu'un qui pourrait nous soigner et enlever cette malédiction, voyez-vous. D'accord. Parce que j'en ai plein les sabots. Je sais, vous allez juste me servir d'esclave. Il s'attaque. Vous avez dit de pas me tuer, maintenant je me suis réincarné en chèvre. Comment je fais? Vous avez pas un remède? Comment je fais? Il y a une malédiction sur moi. Si, attendez, vous allez peut-être vous réincarner en humain, bon, ah ouais, bonne idée. Ça se tient. Venez voir. Regarde. Ferme-moi ça. On la met au bûcher pour voir ce que ça fait. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi? Personne va séparer une chèvre. Au bûcher, voir ce que ça fait. 55 fois, elle va se faire réincarner. Quoi, vous avez noté une chèvre? Bah, c'est une espèce qu'un humain. Où est cette chèvre? Moi, là, pour moi, elle parle pas, la chèvre. Hein. Je crois que vous avez des hallucinations, baron. Ouais, je sais pas pourquoi cette fois-ci elle ne parle pas. Il y a 2 secondes, elle parlait. Moi, elle ne parle pas. Vous êtes fous, vous êtes fous. Pour aller prendre des champignons. Non! La malédiction continue! Moi, je l'ai buté car il m'a attaqué en poney.